Amiens 19e accueille Valenciennes 12e. Les Amiénois n'ont gagné qu'un seul match cette saison et il reste sur une défaite après 4 nuls. Il est vraiment temps de décoller. Mais la première opportunité est valenciennoise avec ce centre et la reprise de la tête de Gaëtan Robaille à bout portant. C'est au-dessus du but gardé par Régis Gürtner. Une bonne possibilité pour Robaille, servi par Mathieu Debuchy. S'ensuit une nouvelle action en faveur des Valenciennois. Incroyable raté. Alors que Gürtner est battu, Debuchy manque le cadre et se fait mal. Puis suit ce coup franc de Robaille à côté. Le début de match est totalement pour Valenciennes. Mais Amiens réussit à trouver une solution ici. Avec un ballon juste devant le but dans la surface. Ça passe au-dessus, mais c'est une première alerte sur le but de Valenciennes. Des Valenciennois qui restent les meilleurs sur le terrain. Encore une occasion énorme. Avec Floyd Ayité au départ, puis Kaba et Robaille, mais c'est sauvé par Gürtner. Valenciennes a un nombre important d'opportunités. Encore Gürtner pour écarter le danger. Amiens n'a pas eu grand-chose, mais obtient ce pénalty à la 42e minute. Un pénalty transformé par Arnaud Loussamba. 1-0 pour Amiens. Premier but de la saison pour Loussamba. Un but sévère pour les Valenciennois qui ont fait le jeu et qui ont eu des occasions. Et pourtant à la pause, ça fait bien 1-0 pour Amiens. Valenciennes reste sur une défaite 3-1 à domicile contre Dunkerque après une série de 3 victoires. Et les visiteurs font tout pour retrouver le goût du succès. Mais comme ils n'ont pas réussi à marquer, ils se sont fait surprendre par le pénalty amiénois en seconde période. Valenciennes continue à avoir de grosses opportunités. Une de plus ici avec ce mouvement dans la surface. Mais ça ne veut pas sourire. Au contraire de ce coup franc de Kader Bamba pour Amiens. 57e minute, 2-0. Premier but en Ligue 2 BKT pour Kader Bamba. Il avait mis 2 buts en Ligue 1 Uber Eats avec Nantes il y a quelques saisons. Et il marque ici le but du 2-0. Puis voici celui de la délivrance pour Amiens. Le doublé d'Arnaud Loussamba à la 78e minute. Deuxième but de la saison donc pour Loussamba. Servi par Oroko Daré. Énorme efficacité amiénoise. Tout l'inverse des Valenciennois qui auraient dû marquer dans ce match. Et jusqu'au bout, Valenciennes croit pouvoir marquer. Mais ce ballon est stoppé par Gürtner. Au final, un gros score pour Amiens. Succès 3-0 contre Valenciennes.